Oh hi Mark! <laughs> <laughs> no! Salut à tous, c'est citadins j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter ma petite statique qui équivaut en fait aussi bien pour Warzone que pour le multijoueur. Une petite partie toute tranquille de mêlée générale, c'est le mode de jeu qui s'y est mis. Mais maintenant on va voir comment équiper cette petite statique que j'affectionne. Tu te rends dans ton attirail, tu prends la statique HV et tu vas mettre cinq accessoires. Tu vas mettre le silencieux quartier maître, la poignée Jacques Slash, les munitions haute pression. Le petit déflecteur ardoise pour le viseur, j'avoue que je l'ai pas beaucoup joué cette saison-ci, mais il est vraiment pas mal. Et la crosse lourde Salvo 580, qui est assez chouette et qui donne pas mal de mobilité. Voilà pour la classe maintenant. Et on va voir ensemble comment je m'équipe un peu en multi. C'est assez simple. Soit je prends le gilet d'infanterie ou le gilet de surarmement. J'avoue qu'il y a tellement de gilets que je m'y perds un peu. Je mets ce petit gilet, comme ça j'ai quand même une deuxième arme. La Striker est pas mal. Petite grenade paralysante, petite thermite, boîte de munitions. Je je prends les gants de combat les chaussures de couverture et camouflage anti-détection je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi cette année ci sur warzone sur le zombie sur plein d'autres jeux également ça me fait énormément plaisir j'ai vraiment hâte que black ops 6 sorte il est vraiment temps que ce jeu sorte je n'en peux plus j'ai vraiment envie de poncer le multi de ce jeu là et on verra après l'intégration de warzone en tout cas, si vous vous êtes marré sur la chaîne, si cela vous a plu pendant toute cette année, bah que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous maintenant. Mettez un petit pouce à la vidéo et éventuellement un commentaire. On peut se partager nos id pour pouvoir gamer ensemble sur Black Ops 6. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao.